Bonjour, professeur Philippe Aguillon. Un grand plaisir de vous avoir dans ma classe ce matin. Franchement, vous êtes le spécialiste des thématiques de croissance et mes élèves passent leur journée à me poser des questions et j'ai très très envie aujourd'hui que ce soit vous qui soyez mon professeur. Alors, toutes ces questions sont diverses, c'est les sources de la croissance, c'est l'innovation et ses effets sur la croissance et l'emploi, mais également la stagnation séculaire, ou encore d'autres thématiques comme la croissance et les inégalités, ou la croissance et les politiques économiques. Donc, j'ai un grand, grand plaisir de vous accueillir, et grâce aux réseaux Plaisir est sociaux, tous partagé. les élèves de la France vont pouvoir vous retrouver. Qu'est-ce que vous souhaitez me dire pour faire partager à mes élèves ces thématiques que nous allons aborder? Bah, écoutez, je crois qu'en tout cas, c'est des problèmes très actuels. Et en fait, et leur montrer que l'économie, c'est vrai que quand l'économie se fait, c'est compliqué parce que le monde est très complexe et il faut essayer de le montrer avec des modèles simples, de l'analyser à l'aide de modèles simples. Et arriver à des modèles simples, ça c'est compliqué. Et confronter ces modèles à des données et à du travail, à une analyse empirique, c'est également compliqué. Mais ce qui est intéressant avec l'économie, c'est qu'une fois qu'elle est faite, eh bien, elle s'explique simplement. Voilà. Et les intuitions finissent par être simples. Toute la difficulté en économie, c'est derrière toute la complexité du monde, de dégager quelques mécanismes et de montrer qu'ils sont robustes, mais en même temps d'aller au fond des choses. Et quand on va au fond des choses, on voit que l'économie, finalement, ça se raconte. Voilà. C'est un peu comme un vêtement. Il y a le patron, vous savez, et une fois que le vêtement est fait, on peut enlever le patron et le vêtement reste de manière très naturelle. Et le modèle économique, la modélisation et l'analyse économique, c'est la même chose. Et c'est ça que je voudrais, c'est qu'en même temps que je parle de ces thèmes, qu'ils voient de manière vivante comment se fait l'économie. Et qu'eux-mêmes peuvent faire ça dans leur tête, ils peuvent faire eux-mêmes devenir, et qu'eux deviennent des économistes, qu'eux voient des problèmes concrets, et qu'eux-mêmes comprennent qu'ils peuvent modéliser dans leur tête et confronter à des données empiriques. Et que c'est une tournure d'esprit, l'économie. Et c'est ça que j'aimerais faire passer. Je prends quelques thèmes que je connais, mais il y a plein d'autres thèmes que je n'aborde pas, comme la crise monétaire, comme le marché du travail, comme voilà, l'économie industrielle. Il y a des domaines innombrables en économie, l'économie et la psychologie. Mais sur tous les grands sujets ou les grandes questions, eh bien, l'individu lui-même peut se faire son raisonnement et arriver comme ça à des idées claires et simples. Voilà. Et donc c'est ça que j'aimerais un peu faire passer dans ce cours. On a très envie maintenant de vous laisser la parole sur ces différentes thématiques et on vous retrouvera sur les réseaux sociaux et on invite tous les élèves à poster leurs commentaires, leurs questions pour faire vivre ce débat. Merci beaucoup. Ben, je vous en prie.